Maintenant, c'est tout à l'abandon, il n'y a presque plus rien, puisque à cette époque-là, on était 800 à 900 ouvriers là sur le site, alors que même là, je ne me rappelle plus ce que c'était, depuis le temps. Et là, bien au fond, c'était les ateliers. Et là, ce qu'on aperçoit en haut, c'est les nouveaux bureaux. Parce que les anciens bureaux étaient plus bons, mais ça n'existe plus, c'est tout. Les tours écrasés, c'est tout. Les écuries non plus, c'était plus bon, mais il n'y a plus rien du tout. Et qu'à voir dans l'état que c'est maintenant. Voilà. Ça changeait bien sûr. Oui, mais l'autre, lui, était de l'autre côté du bâtiment là-bas. Puis des sites numéro 1. Numéro 2, c'était l'autre, tu vois. Il y avait un quartier qui était pour le charbon et un autre quartier qui était pour le schiste. Oh, c'était beaucoup plus dur au schiste qu'au charbon. Et puis la poussière de schiste était beaucoup plus mauvaise. À cette époque-là, qu'on minait à sec, enfin par le fait, et ça aurait continué longtemps, les silicosés, il y en aurait eu beaucoup. J'ai commencé un petit peu, j'ai fait un petit peu tous les échelons à la mine. J'ai commencé à la manœuvre, comme de bien entendu, au départ, puis après j'étais en chantier. Après je suis passé chef de chantier, après chef de taille, et puis... J'ai même une année, j'ai remplacé le chef mineur là, pendant qu'il était en vacances. Le Méglin, c'est terminé, il y avait tout un tas de petites mines à Bussière qui s'appareillent, qui ont toutes fermé les unes après les autres. Et puis, c'est le Méglin qui a duré le plus longtemps, puis après c'est venu l'Aumance, là, alors là, ça a repris, et puis... Ça voit combien de temps que ça va durer, malheureusement. Ah, des lampes comme ça, j'en ai jamais chaussé. C'est la première fois. C'est pour ça que c'est pour m'en servir. Avant, nous avions des lampes à carbure, à feu nu, puisque comme il n'y avait pas de grisou, alors on peut tout le temps travailler avec des lampes à feu nu. On était 16 par cage, il n'y avait qu'un étage dans les cages, parce qu'il y a dans certaines mines, il y a deux ou trois étages dans la cage. Oh, on était à 220 mètres, 100 mètres environ. 30 secondes, hein, c'était le temps, je n'ai jamais calculé exactement. Maintenant, on fait du rodéo là, pour descendre. Des trous de 3 mètres comme ça, il ne faut pas longtemps pour les percer. Hein. Ouais, donc, le temps là, au marteau perforateur, il fallait compter 10 minutes à un quart d'heure. Hein. Et en bien peinant. Ouais. Et puis on perçait même pas à l'eau, on perçait à sec. J'ai une poussière. J'essayais de ne pas tirer dans le poste, sans ça autrement, on mangeait trop de poussière et de fumée. On employait ce qu'on appelait, nous, de la poudre de sûreté, c'était pour éviter justement pour le grisou, alors qu'il n'y en avait pas, on employait quand même de la poudre de sûreté. Puis des fois, on mettait ce qu'on appelle de la gomme, c'était de la nitroglycérine.
Ah ben, le boisage, c'est... puisque ça boise plus, c'est plus que du boulonnage, ils appellent. Oui. Ils boulonnent les toits, tandis que nous, à cette époque-là, il fallait conserver le fauteuil et il fallait que ça tombe le moins de... Le moins de pierre, le moins de stérile possible, en fait. Et c'était pas facile, des fois, de tenir le fauteuil. Il y avait environ un mètre de stérile qui était pas facile à conserver. Hein. C'était la pelle et la pioche, et la mine, enfin. Ah ben là, le camion, eh bien, quand on est dans le charbon, trois minutes, on chargeait le camion. Et après, il fallait les rouler, les bennes, encore. Ah oui, il faut les pousser. Il fallait les pousser. Et puis, il y a de l'aération, là, à côté de... C'était pas que l'aération. Oui, il y a de l'aération, mais il faut bien... C'est ce qui manquait, hein, ça, d'une chaleur dans le chantier. Là, mais bon, on travaillait tout nu, là. Juste avec le béret et les sabots, c'était tout. Ah oui, puis on était trempés comme on a moins chaud, c'est pas pareil. À ce moment-là, les berlines montaient directement au jour du chantier. Ils étaient roulés dans les galeries, soit par des chevaux, soit par des antes, dans la hauteur de la galerie. Et puis après, ils remontaient jusqu'au puits, et puis en jour, enfin. Ouais. Enfin, maintenant, on a des tapis là, qui remontent. Oui, il y a 5 km de tapis pour remonter un jour. Saint-Hilaire, il y en a eu. Quand j'étais à Saint-Éloi, là, il y a eu le coup de grisou, justement. La première semaine. Pour le détecter le grisou à cette époque. Bah, la lampe d'allée. La lampe à flamme. Oui, la lampe à flamme. Mais à Saint-Hilaire, pour le fait, il y en avait pour le grisou. Hein. Il y en a eu, parce qu'il y a eu un tué. Mais enfin, en général, c'était dans les chantiers réellement. Pas erré du tout, oui. Ça se trouve, on se permettait même d'en tirer une de temps en temps, non? Ah ben, on avait des lampes à feu nu. C'était pas empêché, on n'empêchait pas de fumer, moi je fume pas. Ça m'a jamais dérangé, mais tout le monde fumait au fond de la mine. Puisqu'il n'y avait pas de grisou, on avait des lampes à acétylène. Alors, ils ne pouvaient quand même pas empêcher de fumer avec des lampes à acétylène. Ah, ça va. Oh non, c'est plus du tout le même métier. Là, c'est un métier de mécanicien, pour le fait, c'est plus un métier du vrai mineur de dans le temps, enfin, c'est tout à fait différent. Hein. Ah, ce que j'ai connu, évidemment, à Saint-Hilaire ou au Méglin, à cette époque-là, c'était pas du tout, c'était moins important, et puis, les galeries étaient beaucoup moins importantes aussi. Hein. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ce qu'il y avait à cette époque-là, hein, c'est comme tout. D'abord, Saint-Hilaire a fermé, les schistes ont fermé, le charbon a duré un peu plus longtemps. Et puis ensuite, j'étais muté au Méglin, là, et puis ça durait jusqu'en 1963, puis à petite fois, ça a tout été terminé. Alors, j'ai pu retrouver de travail dans les mines, j'étais dans les travaux publics, j'ai fini ma vie dans les travaux publics.
J'ai peiné à m'y faire au début, c'est sûr. J'ai peiné. Déjà, quand je suis rentré en 79, c'est le discours qu'on avait, qu'on écoutait dire par les anciens, vous ne ferez pas votre temps à l'Omance. Ça commençait, bon, les dernières embauches ont été en 81, 82, je crois. Et on y a senti venir en 85, 6, les premières remontes du fond. On a se demandé si c'est pas appelé à disparaître, justement, puisque l'horizon du charbonnage, c'est l'an 2000 qu'il n'y en ait plus. Alors on a se demandé, c'est sûr que le métier de mineur peut bien arriver à disparaître. On n'en sait rien, ça. C'est là qu'on se lavait, une fois qu'on montait du fond, parce qu'on était noirs comme des mineurs, ou comme des charbonniers. Donc on avait beau se laver, malgré tout, c'est ancré dans la peau. Il fallait se laver plusieurs fois pour que ça arrive à sortir. Ça me ferait de la peine de laisser le fond. On s'y attache. L'histoire de camaraderie, beaucoup de choses. On est très solidaires. C'est marqué quand même dans une vie, ça. Métier de mineur, moi je sais qu'il maintenant il est gravé. Hein.